Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va faire activité orale. Présenter ses fournitures scolaires. Informer sur son école. J'observe et je m'exprime. Alors, que voyez-vous sur cette image? Que voyez-vous sur cette image? Regardez bien. Alors, je vois des élèves dans la classe. Et je vois Amel et Adil aussi. Avec ses camarades, ma asdiqa'ihim, dans la classe. La classe est très jolie. La classe est très jolie. Je vois aussi des fournitures scolaires. Je vois aussi des fournitures scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les fournitures scolaires? L'adawat al-madrasiya. Alors, donne les noms des fournitures. Donnez-moi les noms des fournitures que vous voyez dans cette image. Alors, je vois une trousse, un ciseau, une gomme, un cartable, un cahier. D'accord? Alors, je vois sur l'image un maître. Voici le maître. Mouallim. Voici le maître. Voici Adil. Voici Amel. Voici une fille. Voici une fille. Voici un garçon. Voici un garçon. Voici Amel et voici Adil. D'accord? Amel est une fille. Adil est un garçon. D'accord? Les fournitures scolaires. Voici une trousse. Voici une gomme. Voici un ciseau. Quoi d'autre? Un carnet aussi. Un cartable. Voici un cartable. Etc. Pour présenter ses fournitures scolaires, et informer sur son école. Mon école, la classe, la cour, les élèves, le maître, la maîtresse, le bureau, le tableau, des cahiers, des stylos, une trousse, des livres. Je répète, mon école. La classe, la cour, les élèves, le maître, la maîtresse, le bureau, le tableau, des cahiers, des stylos, une trousse, des livres. Maintenant, écoutez bien. Amel et Adil sortent leurs affaires en classe. Amel et Adil sortent leurs affaires en classe. Adil, regarde Amel. J'ai trois livres, cinq cahiers et une grande trousse.
Je répète. Amel et Adil sortent leurs affaires en classe. Adil, regarde Amel. J'ai 3 livres, 5 cahiers et une grande trousse. Amel, moi aussi, j'ai des livres et de beaux cahiers. Je répète, Amel, moi aussi, j'ai des livres et de beaux cahiers. Adil. Dans la trousse, j'ai des stylos, des crayons de couleur et une règle. Je répète, Adil. Dans la trousse, j'ai des crayons de couleur, des stylos et une règle. Amel. Et moi, j'ai des crayons, des cahiers, une gomme et un taille-crayon. Adil, papa m'a acheté cette histoire. Je vais la lire. Adil, papa m'a acheté cette histoire. Je vais la lire. Il faut écouter bien ce dialogue pour le répéter. D'accord? Alors, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire les fournitures scolaires? Les fournitures scolaires, ça veut dire une trousse, des crayons de couleur, les stylos, des gommes, des règles. Des tailles crayons, l'adawat al-madrasiya. Les fournitures scolaires, ça veut dire l'adawat al-madrasiya.